The Voice 2021 CIST pour bientôt. En effet, même si le télécrochet n'a pas encore de date officielle de diffusion, on sait déjà qu'il va faire son retour sur le petit écran dès le début d'année. Et pour cette 10e saison, l'émission va faire le plein de nouveautés, dont celle d'accueillir un nouveau coach, Vianney. Alors qu'il se fait rare en télévision, le chanteur a en effet accepté de vivre l'aventure dans son fauteuil rouge. Mais pour quelle est-ce raison? Vianney dans The Voice 2021, je ne suis pas très à l'aise avec la télévision, CIST lors de la conférence de presse qui s'est tenue en vidéoconférence le mardi 22 décembre 2020, qu'il a confié pourquoi il a mis du temps à accepter de rejoindre Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine. C'était peut-être un peu tôt avant. J'avais besoin de travailler en studio pour d'autres. Faire ce qu'on essaye de faire ici, guider, conseiller, écouter et orienter des gens qui aiment la musique. A-t-il révélé. Puis, il a précisé, autant je ne suis pas très à l'aise avec la télévision, autant la musique CIST mon truc, ça me fait me sentir bien. Vianney sur The Voice 2021, CIST très familial, s'il a donc accepté de rejoindre le programme animé par Nico Aliagas, Vianney s'est rapidement rendu compte que l'émission avait un côté familial. Il y a ici quelque chose de très familial ici et je l'ai découvert en arrivant dans The Voice. On a beaucoup discuté avec Mathieu Grelier, directeur des programmes d'ITV Studio France, note de la rédaction, et les gens qui s'occupent de cette émission, et je me suis toujours senti bien ici quand je venais chanter, a-t-il conclu. L'expérience semble donc se passer à merveille. Reste maintenant à découvrir les talents qui ont rejoint son équipe.